Oui, je suis avec vous aujourd'hui, ce soir, pour répondre à une préoccupation, une question que les gens se posent sur la rédemption des chrétiens. La rédemption, c'est un mot biblique que nous trouvons dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, en tant qu'étudiant de la Bible, nous allons d'abord commencer à définir bibliquement le mot rédemption. Que signifie la rédemption? Nous pouvons seulement dire que la signification de la rédemption n'est pas souvent étudiée, mais elle est au cœur de l'évangile. C'est seulement cela que nous pouvons dire. Donc, elle explique ce que Dieu a fait pour racheter de toutes nos transgressions. C'est là qu'on peut comprendre bibliquement, pas seulement qu'on peut faire une étude sur ça, mais c'est quelque chose qui explique. Quelque chose qui est au cœur vraiment, au centre de l'évangile. Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Donc, c'est une délivrance pure et simple. Donc, rédemption. Bibliquement, c'est une délivrance. Une délivrance de quoi? De péché. Parce que, en tant qu'humains, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Adam a commis un péché dans le jardin et toute sa descendance était déjà sous la domination de ce péché. Donc, pour que Dieu puisse nous récupérer, il a fallu qu'il utilise ce système de la délivrance. Nous qui sommes déjà esclaves, il a fallu que nous soyons délivrés de cet esclavage pour que nous soyons libres et amenés à la présence de notre Dieu. Donc, il nous a rendus libres. Il nous a amené la liberté de la malédiction de la loi du péché. Selon Galates, chapitre 3, verset 13. Donc, la rédemption est une notion plus spécifique que le salut. Elle présente le salut dans une perspective particulière. Elle se penche particulièrement sur le moyen de laquelle le salut a accompli. Donc, ça fait une spécificité. Donc, ça montre clairement comment les choses étaient faites pour que nous soyons parvenus au salut, c'est-à-dire par le paiement d'une rançon. Le paiement est fait donc c'est Dieu qui a payé. Dieu, pour que nous soyons délivrés, pour qu'il y ait rédemption, pour amener en liberté celui qui est privé de la liberté, il fallait qu'il y ait l'intervention de rançon. Il fallait qu'il y ait l'intervention d'un prix qui sera payé pour que nous soyons libres. Donc, notre juge et législateur, nous disons, par exemple, Ésaïe 33, verset 22, en fait que sa justice et les exigences
vient à s'en attirer toute soi satisfait. Il faudrait qu'on satisfait. C'est lui qui nous a pris captifs. Le système est là qui nous retenait. Et pour que ça puisse nous laisser libres, il y avait une exigence. Et cette exigence, c'est le prix qui a été payé, le prix que Dieu a payé pour que la porte soit ouverte et que nous soyons libres. Donc la Bible nous dit que les croyants sont précieux aux yeux de Dieu, car ils ont été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous ne sommes pas des hommes négligeables devant Dieu. Nous sommes les hommes de valeur. Et pourquoi il nous a appelés ses enfants? Parce qu'il n'y a pas autre position de grande valeur qu'on peut donner à quelqu'un si ce n'est pas le prendre comme son enfant. Parce que je peux avoir toute une richesse, je peux avoir beaucoup d'argent en banque, je peux avoir des maisons, je peux avoir des objets, des véhicules, des avions, beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais si on me demande de choisir parmi ce que j'ai, comparativement avec mes enfants, je vais dire, vaut mieux rester pauvre avec mes enfants que rester riche sans mes enfants. Donc, ce sont les enfants qui sont une grande valeur pour un être humain. Parce que si vous voyez les enfants, vous êtes en train de vous voir vous-même. Vous voyez les enfants qui sont le vôtre. Les enfants qui sont. Donc, ce sont les hommes ou bien les gens les plus proches de vous. Ce sont les enfants les plus proches, numéro un, de vous et votre femme, c'est vos enfants. Donc, Dieu a accepté de payer le prix de son fils unique pour qu'il puisse gagner beaucoup d'enfants. Donc, c'est pourquoi, si nous voyons la Bible, nous disons que les croyants vraiment sont précieux aux yeux de Dieu, car ils ont été rachetés à un grand prix, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il s'agit qu'un prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Donc, il n'y a pas un homme qui pouvait payer ce prix. Où est-ce que vous alliez prendre? Où est-ce que vous auriez le sang de Jésus-Christ? Parce que notre sang, le sang de mes parents, le sang de mes enfants ne pouvait pas me racheter de cet esclavagisme du péché. Le sang d'un homme ne pouvait pas mériter ce prix. Ça ne pouvait pas convenir pour nous délivrer. Il a fallu le sang précieux, le sang qui n'a pas connu de péché, le sang du Fils de Dieu, qui acceptait de se dépouiller de toute sa gloire et venir sur la terre, prendre la chair dans la Vierge Marie et rester avec, se soumettre à la condition de la naissance et attendre jusqu'à 9 mois et être né et rester comme un bébé, agrandi comme d'autres enfants, jusqu'à ce qu'il a commencé à montrer pourquoi il est venu, pourquoi il a pris la chair, pourquoi il s'est fait homme. Il a tout montré pour que les gens puissent voir. Parce que s'il descendait en tant qu'un ange, les gens allaient fuir. Les gens n'allaient pas l'écouter. Il a fallu qu'il soit homme pour qu'il puisse s'approcher aux hommes et leur parler. Voilà ce que vous êtes. Voilà votre position devant votre Créateur.
Voilà pourquoi je suis venu. Il s'est révélé lui-même qui est, qui est-ce qu'il est. En ce moment-là, le monde pouvait comprendre, pouvait croire, pouvait voir, pouvait le palper, pouvait l'écouter, pouvait le toucher. Donc, le coût de notre rédemption, c'est-à-dire le sang versé de Christ, est plus grand que le coût de notre création. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Le sang que le Fils de Dieu a versé sur la croix, ce sang était plus coûté que le prix de notre création. Dieu nous a créés par la parole. C'est par la parole qu'il a créé. Il a dit. Il a fait de la boue, le corps, il a soufflé dans les narines et l'homme est devenu un être vivant. Mais pour qu'il puisse vous sauver, vous, il a accepté son fils. Il a accepté la mort. Il a accepté le sang de son fils pour qu'il puisse le satisfaire. Parce que la colère de Dieu s'est reposée sur nous. Donc, pour que cette colère soit enlevé sur nous, il a fallu qu'il y ait un prix qui serait donné, qui va satisfaire à Dieu, et pour cette opération va prendre l'amour de Dieu et remplacer la colère de Dieu avec l'amour de Dieu. Il a pris la colère qui était sur nous, l'a remplacée par son amour. Il a mis sur nous son amour. Comme la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Il a donné, il a offert. Il a accepté la mort de son fils. Il a accepté de voir le sang de son fils pour que nous soyons rachetés. Donc, il a donné un prix inexplicable. Donc, nous qui étions sous la malédiction, nous qui étions condamnés à mourir, cette condamnation a été retirée. L'acte qui nous condamnait a été aboli. Et puis Dieu a mis son amour, a mis la justice sur nous, nous a déclaré, il nous a fait inclure dans sa famille. Il nous a déclaré juste, alors que nous n'étions pas justes, seulement parce que son sang, le sang de son fils, a été versé. Si on peut nous demander ce que nous devons garder, ce qui est précieux aux yeux de l'homme, c'est quoi? Est-ce sa richesse? Non. C'est la vie qui est précieuse. La vie est précieuse. À côté de votre vie, il y a la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Tes enfants, tu ne peux pas les échanger avec quoi que ce soit. Tu aimes beaucoup tes enfants
plus que les autres que tu peux voir dans sur la terre. Donc, tes enfants sont très précieux à toi. Donc, si nous pouvons vraiment voir ce que la rédemption a accompli, exactement, elle ne fait pas que satisfaire la colère de Dieu, mais la rédemption nous a séparés de nos transgressions. Il nous a séparés de nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Donc, il nous a mis très loin. Donc, a pris nos péchés, il les a envoyés très loin. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas l'espoir de se rencontrer avec nos péchés encore. C'est déjà séparé, c'est fini. Elle a coupé notre lien avec le péché. Donc, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de relation avec le monde. Quand je parle de monde, je parle de monde pécheur. Il a amené une séparation. Une séparation biblique. Parce que il n'y a plus de relation avec le diable. Il nous a retirés dans le demeure du diable. Il nous a retirés dans le monde. Il nous a mis à côté. Il nous a mis à côté les gens qui sont lavés par le sang de son fils. Il nous a retirés de l'iniquité. Il nous a retirés de la malédiction. Il nous a retirés du jugement éternel. Nous ne serons plus jugés éternellement. Nous ne sommes plus là. Il nous a donné notre statut, les enfants de Dieu, qui ne sont pas de ce monde. Si nous étions de ce monde, nous serions aimés par le monde. Le monde nous haït. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, c'est comme ça, c'est ça notre identité. Nous ne sommes pas amis du monde, non. Parce que le monde va passer et ses affaires. Mais nous n'allons pas passer. Nous avons commencé la vie éternelle depuis le jour où nous avons confessé nos péchés. Les jours où nous avons reçu le Saint-Esprit, les jours où nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour-là que nous avons commencé la vie éternelle. Bien que c'est le jour où il nous a achetés, c'est le jour où il a payé le rançon, c'est le jour où il a payé le prix pour nous délivrer. Nous étions vendus dans le péché, nous étions esclaves du péché, nous étions dans le monde du ténèbres. Il nous a retirés dans le monde des ténèbres en payant le rançon. Il nous a mis la marque pour montrer que nous l'appartenons. Nous ne sommes mieux que nous nous mélangeons avec les gens de ce monde. Mais nous avons une marque. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de l'autre. Nous sommes une possession. L'autre, nous ne sommes pas la possession de ce monde, nous sommes la propriété de Dieu. Il nous a donné une marque, la marque qu'on appelle le Saint-Esprit qui est dans nous, qui nous guide, qui nous protège, qui nous aide à surmonter des tentations. Cette marque-là, et quand il viendra nous prendre, nous allons partir avec cette marque. Et quand nous ne serons plus au monde, le monde sera l'obscurité. La justice, un peu de justice ne sera plus vue dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, bien que nous sommes rachetés,
Nous sommes encore dans le monde. Il y a des influences de ce monde. Nous voyons l'injustice. Nous subissons des maladies. Nous souffrons. Nous avons faim. Nous manquons à manger. Il y a l'insécurité par-ci, par-là. Il y a beaucoup d'histoires qui nous attaquent avec le monde. Par exemple, aujourd'hui, ce qui a la haine, l'information qui cause la peur au monde sur cette pandémie. Nous subissons le même sort avec le monde. Nous souffrons. Nos frères sont en train de souffrir également. Ils sont en train de tomber malades de coronavirus. Ils sont en train de mourir, de partir. Mais cette séparation d'avec leur corps, ils laissent le corps sur la terre, ils y partent sains et saufs. Parce que le corona ne peut pas atteindre, ne peut pas toucher leur vie éternelle. La vie est là intacte. Il y a un corps sain, un corps céleste qui est préparé pour eux, où ils vont entrer. Un corps qui ne sera pas touché par de pandémie, par la malaria, par la diabète, par les cancers, par beaucoup, 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 beaucoup des histoires de maladies. Vous avez beaucoup de noms. Mais comme ce corps a été corrompu par les péchés, ça va continuer à se détériorer à partir. Les maladies sont des conditions avec lesquelles sont en train d'aider à décomposer, à détruire notre corps. Nous allons les appeler avec beaucoup d'autres noms, mais ce sont des moyens de corrompre notre corps. Or, nous n'allons pas rester éternellement dans ce corps. Nous allons nous séparer de ce corps. Mais il est bon de rester encore un peu de temps pour montrer au monde qui nous sommes et où est-ce qu'on ira. Et il est très dangereux de rester cloué dans le système du monde au lieu de regarder celui qui a payé le prix. Au lieu de regarder le Sauveur, Jésus-Christ, et aller vers lui pour lui demander le salut éternel. Vous voulez jouer dans le monde alors que le monde est en train de vous montrer que le monde n'est pas bon. Parce qu'après ceci, il y aura d'autres choses qui vont venir pour le monde. Mais les ceux-là qui ont l'espoir, nous savons que ce sont des histoires qui vont passer. Et quand ça va passer, il y a une promesse qui est là. Et là, nous irons nous reposer éternellement et se réjouir avec notre Dieu. C'est pourquoi je vais vous montrer que il est bon de connaître ce que Jésus a fait sur la croix. C'était une action de grande valeur. Le fait d'accepter de verser son sang sur la croix à cause de toi, pour seulement te retirer de la punition du châtiment de Dieu, et mettre l'amour de Dieu sur toi, c'était une bonne chose que tu dois dire merci à Dieu. Parce que il n'y avait pas autre moyen. Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Le prix que Dieu a donné a comme résultat de la vie de son fils, du sang de son fils qui a été versé pour que nous soyons libres. Selon Matthieu 20, 28, 1 Tite 2, 6. Il y a beaucoup d'enseignements bibliques sur le sujet de la rédemption, selon Galates 3, 13 et Galates 4, 5. Nous pouvons voir beaucoup de... Nous pouvons étudier en profondeur et voir l'importance
de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus, par sa mort, il a donné sa mort pour notre vie, pour que nous soyons libres. Il est seulement possible, la rédemption est seulement possible par le moyen du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort, selon Colossiens chapitre 1, verset 14. Il est seulement possible à partir de ce moyen. Les chrétiens est parvenu à la justice après le paiement que Dieu a fait pour sauver les perdus, pour racheter les, si je peux dire, l'esclave du péché. Donc, nous pouvons nous réjouir chaque jour parce que nous sommes vraiment très, très précieux devant Dieu. C'est pourquoi il est dit que il ne faut pas toucher le oint de Dieu. Si vous touchez le oint de Dieu, c'est comme si vous allez toucher dans l'œil de Dieu. Donc, vous provoquez Dieu. Donc, il ne faut pas, il faut seulement prier. Et nous aussi, nous soutenons le monde par notre prière. Parce que quand nous plairons devant Dieu, Dieu nous écoute directement. Quand nous avons des difficultés, Dieu se met debout pour voir ce que nous serions. Donc, Dieu est là. Il nous protège malgré que nous sommes encore dans ce monde. Il continue à nous protéger jusqu'à ce que nous allons arriver à terminer notre course, comme a déclaré Paul. J'ai terminé ma course. J'ai gardé ma foi. Et la couronne m'est réservée. Donc, nous sommes dans le monde. Nous avons eu, par le rançon que Dieu, Jésus a donné, nous avons eu la liberté, nous sommes libres de l'esclavage du péché, nous avons été déclarés saints, et nous avons été les rachetés de ce monde. Donc quand nous serons au ciel, les seuls qui seront au ciel, ce sont les esclaves du péché, qui sont délivrer ceux qui étaient autrefois esclaves, mais délivrés par Jésus-Christ à travers son sang précieux. Nous allons chanter le chanson de la liberté, de la rédemption. Les ceux-là qui peut-être ont été tués à cause de leur foi, vont chanter au ciel selon Révélation ou Apocalypse chapitre 5, verset 9. Nous allons nous réjouir avec notre Créateur. Nous allons dire merci. Nous allons le voir. Il va nous montrer ce qu'il a fait pour nous. Nous allons rencontrer nos frères qui nous ont précédés. Nous serons contents éternellement avec notre Créateur. Donc, ce que je voudrais seulement montrer est que nous devons nous réjouir du jour le matin quand nous allons voir ce que Jésus a accompli sur la croix. Et ce qu'il a fait, c'était pour nous récupérer. C'était le prix qu'il a payé pour que nous soyons libres. Et le prix a coûté sa vie, a coûté son sang précieux. Et le sang que le monde ne pouvait pas avoir, le sang que le monde ne pouvait pas offrir, qu'aucun homme pouvait offrir sur la terre, c'est ce que lui a donné. C'est pourquoi nous devons dire merci à Dieu parce qu'il a accepté la mort de son Fils.
à cause de nous. Que Dieu nous aide et que Dieu vous aide à comprendre cette vérité. Merci beaucoup. Thank you.